Noël. Bienvenue à Cœur à Paris. Comme c'est bientôt les soldes, et ben on va profiter pour voir un petit peu les petites nouveautés, les choses un peu pour l'hiver, les trucs un petit peu spéciaux qui peuvent vous intéresser, pour vous donner en fait des idées. Et après on va profiter pour acheter des petits trucs sympatoches qui nous intéressent. D'accord, allez, on y va? Non, avant ça, n'oubliez pas de liker, vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Et vous êtes prêts pour faire le check dans 3, 2, 1, tac, tac. Hey, maintenant on y va. Allez, go. Bon, ça a commencé à pleuvoir, mais ça va pas nous arrêter car on est motivé. Voilà. Très très motivé. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va. C'est parti. On marche, on marche, 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 marche. Ça c'est sympa, on peut mettre avec un pull. Ça j'ai vu beaucoup de gens en porter, c'est manches courtes. J'aime beaucoup les pantalons comme ça et en plus en ce moment ils sont vraiment beaucoup à la mode. Et regardez ce haut, comme ça ils vont bien ensemble, hein. J'aime bien. Après ça, c'est les pantalons parachute. Ils sont aussi très à la mode. Regardez celui-là, il est en jean. Sympa. On y va. Je vais commencer avec les vêtements de Bershka. Alors déjà il y a ce pantalon beige parachute en jean. Voilà, top top top. En fait c'est la première fois que j'ai un pantalon parachute mais en jean, parce que un pantalon parachute j'en ai déjà eu mais en jean non, donc c'est cool, ça change. Une particularité des parachutes, et c'est quelque chose qui est cool, c'est qu'en fait tu peux ajuster la partie d'en bas, donc tu peux faire plus serré ou moins serré grâce à ça. Donc c'est des petites fils, en fait c'est pour faire des petits nœuds etc. Donc, et aussi la partie d'en haut. Voilà, donc si par exemple moi j'ai pris XS, mais si par exemple j'aurais pris un S parce que j'avais pas trouvé XS, et bah quand même j'aurais pu l'utiliser etc, car on peut ajuster la taille, donc ça c'est plutôt cool quoi. Les autres vêtements qu'on a achetés à Bershka, ce sont des manteaux. Bon bah voilà quoi, en fait c'est les soldes, il faut profiter et puis c'est l'hiver. Alors pour commencer, on a ce manteau noir sans manches. Et en fait dans le magasin, bon vous avez vu auparavant, une montre en fait, un manteau comme ça, vous voyez, sans manche, avec un pull à l'intérieur. Parce que bon déjà il fait froid, hein, voilà. Et puis je trouve que c'est stylé, c'est comme ça que c'est à la mode en fait. Donc ils mettent un pull à l'intérieur d'une couleur différente de préférence, par exemple vert, bleu, etc. Pour pas que ça soit trop uniforme, ça soit un peu différent quoi. Mais voilà, moi j'aime bien et puis il est cool. Voilà voilà. Après il y a une veste racing, voilà, que j'aime beaucoup. Ils se sont inspirés de Formule 1. Voilà, alors les couleurs elles sont sympas, rouge, noir et beige. Donc en fait c'est une bonne combinaison de trois couleurs. Donc j'aime beaucoup. Il y a aussi un petit peu de jaune et de bleu. Et en fait c'est un simili cuir. Mais c'est cool, c'est quelque chose de nouveau quoi. Après c'est un gilet sans manches noir réversible, donc ils peuvent devenir beige. Tadam! Donc ça c'est vraiment top top top. Lui il est plus court que l'autre, il se ressemble vraiment beaucoup, mais sauf que lui, vous voyez, il a deux sens.
Et puis bon, c'est un petit peu plus court, c'est juste ça qui différencie un petit peu. Et du coup, on n'a pas besoin d'en acheter un beige et un noir. Non, on a les deux en un. Et les derniers vêtements de Bershka, c'est une doudou verte. Voilà, voilà. Donc, il n'est pas très long. Est-ce qu'il a des poches? Ah oui. Et puis là, une petite capuche. Voilà, il est très simple. Mais j'aime bien la couleur. Maintenant, on va passer aux vêtements qu'on a achetés à Pull & Bear. Alors déjà, il y a une casquette bleue, où c'est écrit bleu. Donc un peu bleu gris, un peu foncé quoi, comparé à ce bleu. Voilà. Et en fait, je l'aimais bien. Elle est simple, mais je l'aimais bien. Et puis, elle va bien avec quelques-unes de mes tenues. Donc voilà. Ensuite, pas mal de bonnets. Déjà, on en a un qui est bleu marine, un qui est turquoise un peu vert. C'est un turquoise un petit peu spécial quoi. Ensuite, on a ce bonnet un peu... Enfin, c'est un bonnet bleu. J'aime beaucoup cette couleur comme ça, j'aime bien. Et puis, pour finir, un marron. Tadam ! Donc là, vraiment, j'en ai plein. Du coup, bah, je peux les utiliser pour plusieurs tenues. Et en même temps, en fait, quand j'ai acheté ça, pour pouvoir acheter d'autres vêtements, etc., j'ai un peu visualisé avec ma maman. Du coup, on a vu à... Ah, on a ce bonnet de cette couleur. Du coup, peut-être ça peut aller avec ça, ça, ça. Du coup, bah, en fait, c'est bien quand on a un accessoire ou quelque chose pour commencer à faire une tenue. Voilà. Donc, c'est cool. Ça, c'est une bonne technique d'ailleurs. Ensuite, il y a ce haut un petit peu vintage, je trouve. Voilà. Que j'aimais bien. J'aime bien la petite photo ici. Et ça va, il est plutôt simple, mais cool. Et je sais avec quoi il peut aller. Ce jean, en fait, c'est un pantalon... pas de def, vous voyez, comme ça, que j'aime bien. En fait, bon, j'ai pas trop de jeans en vrai, du coup ma mère et moi on s'est dit bon, on va en acheter un, on va profiter car voilà, j'en ai plus trop quoi. En fait, j'utilise plus les cargos, etc., mais des fois quand je veux utiliser des jeans, je cherche, il n'y a plus rien. Du coup, bon, voilà, j'ai trouvé celui-là, il me plaisait, cool. Un cargo, télém, voilà. Donc en fait ça c'est un gris clair parce que j'en ai un qui est plus foncé mais lui il est plus clair. Et j'aime beaucoup hein. Les cargos, ils sont vraiment très cool. Ça fait depuis genre à peu près été 2022 que c'est à la mode. Et vraiment c'est là où ça a vraiment commencé en fait, et depuis ça bah, j'aime trop. Voilà voilà, donc ça c'est cool. Et puis comme pendant l'été j'ai acheté des couleurs plus claires, bah du coup maintenant c'est l'hiver donc il faut forcément des couleurs un petit peu plus foncées, vous voyez, comme ça. Voilà voilà. Ensuite une petite chemise blanche parce que j'en avais pas. J'avais pas de chemise blanche comme ça, simple, 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 simple. Donc voilà, c'est long et c'est simple. J'aimais bien. Et d'ailleurs j'ai aussi une idée de tenue en tête. Après on a un autre gilet sans manche. Donc ça c'est le troisième qu'on a acheté en fait. C'est en simili cuir. Donc là ça change par contre, vous voyez le matériel. Il est court. Et puis c'est avec capuche, que j'aime beaucoup ça, hein. Quand la capuche est vraiment pratique parce que quand il pleut, t'es là, tu fais... Et voilà. Et pour finir avec Pull & Bear, ce pull, regardez, oh, je sais pas, je le trouve trop stylé. Je vous avais montré avant une veste beige, rouge et noire de Formula 1, donc je pense que ça peut aller ensemble, hein. Faudrait que je teste, mais je pense que oui, hein. Parce que c'est les mêmes couleurs et tout, donc ça serait cool. Pour finir, c'est du Tradivarius. C'est ce pull déjà. Vert clair, vert un peu pastel, que j'aime bien. En fait, c'est un pull mais avec une fermeture qui s'arrête un petit peu à la moitié. Voilà. Donc comme ça. Et puis, dernier vêtement, pantalon parachute marron. Alors j'en ai un comme ça mais en gris foncé, donc là ça change. Et puis bon, comme je vous ai montré avant, on a acheté un bonnet marron, du coup ça va bien aller ensemble. Yes. Et voilà, c'est la même chose un petit peu que le parachute en jean, vous voyez, c'est ça qui est vraiment cool. Voilà, tu peux serrer et desserrer, sauf que là c'est différent parce que l'autre il fallait faire un nœud.
Donc voilà, ça c'est génial. C'est plus pratique quand tu dois pas faire un nœud. C'est le moment de la dédicace. Et les personnes sont Lina et Félicia. Merci pour regarder nos vidéos et partager. On vous fait plein de gros bisous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse une vidéo où en fait je fais des tenues. Donc ce pantalon avec ce haut, je trouve que ça va bien ensemble et je vous montre à quoi en fait ça ressemble. Donc ça peut être cool, ça peut être utile pour vous. Donc bon, dites-le nous. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao. Bisous.